Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 29e niveau de ce Tomb Raider 4, la pyramide de Menkauhor. Vous allez le voir, hein, un niveau des plus sublimes. Franchement, moi ce niveau, je l'adore, tout simplement. Hein. C'est l'un de mes niveaux favoris, si ce n'est même mon niveau favori. Enfin, je ne sais pas, je vais peut-être un peu vite en besogne. Mais c'est vraiment un niveau que je trouve sublime, somptueux. C'est vraiment le type d'environnement que j'aime. En tout cas, c'est avec un grand plaisir et une immense joie que je partage ce niveau en votre compagnie. Donc ici, on va ouvrir cette trappe, hein, ce qui va nous permettre l'accès à l'extérieur, vous l'avez vu. Et on va faire face à une bête, et non pas des moindres. Regardez ça. Celle-ci nous a empoisonnés. Mais on peut voir là-bas un combat. Hein, entre l'homme et la bête. Bien sûr, elle a gagné. Vous avez vu la taille du scorpion, vous? Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Alors, je vous rassure, hein, on ne va pas laisser ce venin trop longtemps nous enquiquiner. La taille des scorpions, c'est un truc de fou quand même. Et voilà. Le scorpion n'est plus. On va se mettre des vies, tout de même, hein. Pauvre Lara. Et regardez-moi cette pyramide, elle est tellement grande qu'on n'en voit même pas le bout. C'est la pyramide de Menkauhor. La fameuse pyramide. Alors ici on va sauter en face, là, comme vous avez pu le voir. On va faire un saut, comme ceci, afin de rejoindre l'autre côté. Une bébête, hein, nous faisait face. Et là, on va prendre le revolver. Car vous allez le voir, nous allons devoir secourir un homme. J'espère que ça va marcher, parce que parfois ça bug. Pourvu que ça marche. Allez. C'est bon, ça a marché. Alors oui, Lara avait les revolvers, hein. Enfin les pistolets, et nous on avait les revolvers. Ça ne concorde pas avec la cinématique. Mais avec les flingues, j'ai bien cru ma dernière heure venue. Ça aurait été impossible. Et cachez-vous dans la pyramide de Menkauhor. Il ne faut pas que cette horreur vous prenne. T'inquiète pas, l'ami. Nous allons nous y rendre de ce pas. Donc ici, nous venons donc de récupérer les fameuses clés des gardes, hein, pour accéder à la pyramide. Mais on a aussi obtenu la clé de l'armurerie. Parce qu'on a sauvé cet homme. Tout simplement. Mais écoutez, on va sauvegarder. On va s'autoriser une petite sauvegarde quand même. Hein, car la fin n'est pas encore... présente. Oui, on va sauvegarder ici. À chaque coup, je réfléchis bien avant de faire une sauvegarde. Hein. Je n'aimerais pas refaire une erreur comme j'ai pu le faire au Caire. Donc, poursuivons par ici. Là, on va monter, hein, directement sur cet embout de pyramide. Et on va se laisser porter.
par le chemin que nous guide la pyramide. Donc ne pas se relâcher ici. Hein. Plutôt se relâcher ici. Voilà, alors vous l'avez vu, on serait tombé sinon. Donc là, notre pyramide, hein, notre belle et magnifique pyramide, que nous allons monter comme ceci. Je vais reprendre les usines, hein. J'aime bien cette arme. Même si c'est pas la meilleure arme pour ce niveau. Hop là, un saut avec élan. Et puis ce tonnerre quand même. Alors, mais regardez-moi ça, ce beau ciel rouge. Et on est sur une pyramide quoi, c'est un truc de fou, moi j'adore. C'est trop bien. Franchement c'est trop bien. Vous pouvez pas dire le contraire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là là. Je sais, je suis en extase, hein, mais... J'aime beaucoup ce genre de lieu. Mais vraiment quoi. Et voilà, nous sommes enfin arrivés à l'entrée de la pyramide de Menkaure. Insérons cette clé et disons au revoir à cet illustre endroit que nous retrouverons, rassurez-vous. Allez. On sauvegarde immédiatement le prochain niveau. Et on se retrouve très vite pour la suite de cette péripétie que nous offre Lara, hein, à travers l'exploration de la pyramide de Menkaure. Allez, salut à tous!